Eh oui. Oui, oui. Je pensais que... qu'un jour on serait champion de France. Bizarrement, j'ai fait de ces deux mots, modestie et humilité, ma ligne de conduite. Mais je le répète, je pensais qu'un jour nous serions champions de France. Eh bien là, c'est chose faite. Une année fantastique, une année remplie de succès, 26 victoires d'affilée. Et il faut bien le dire, un parcours sans précédent, avec la tête un homme merveilleux, Gérard Houllier, et bien sûr de vos valeurs, sans quoi nous ne serions pas champions. Personne n'est au sommet simplement par hasard. Et ce qu'on donne aux autres pour qu'ils y arrivent un jour, ça vient toujours du cœur, ça s'appelle de l'amour. Regardez le sourire, il est ici, il est ailleurs, quelquefois le soleil, mais jamais le brouillard. Il vit sa vie en avance et pour lui le passé, c'est d'appuyer sur sa vidéo simplement pour comprendre pourquoi hier, le match n'était pas bon. Beaucoup de gens m'ont annoncé beaucoup de misère en venant ici. Et j'ai heureusement cette faculté, c'est lorsque j'arrive quelque part, c'est d'un petit peu d'oublier ce qui s'est passé. Je crois qu'on a prouvé quelque chose, c'est que pour faire une grande équipe, il ne fallait pas forcément beaucoup de temps, parce que c'était une mosaïque au départ. D'où le talent des joueurs, hein. Je dis toujours, il faut trois choses pour réussir. Du talent, ce sont les joueurs, du travail, c'est le joueur et l'entraîneur, entre ce que je propose et ce qu'il dispose un petit peu. Et troisième chose, c'est une organisation, une préparation constante, permanente à la performance, faite du climat général. Et pour faire une grande équipe, il faut beaucoup de complicité. Pour le Paris Saint-Germain, en cette saison 85-86, tout commence contre Bastia. Non pas au stade de Furiani, comme le prévoyait le calendrier, mais sur terrain neutre, Furiani étant suspendu. C'est donc à Reims, sur la pelouse du stade Auguste Delaune, que le PSG, modèle Gérard Houllier, dispute son premier match de championnat et remporte son premier succès. Deux buts de Dominique Rocheteau, un but de Safet Susic et un autre de Omar Da Fonseca, qui sera malheureusement sévèrement touché en fin de match, donne 4 buts d'avance au PSG, qui l'emporte finalement 4-2, Thierry Meyer sur pénalty et Gérard Soler sauvant l'honneur corse dans le dernier quart d'heure. Pour les Parisiens, la saison commence bien, coup de pouce du destin, car à Furiani, vaincre aurait sans doute été plus difficile. 19 juillet, premier match au Parc des Princes, victoire claire et nette sur le LOSC, 3-0, but de Susic, Robert Jacques et Luis Fernandez, le deuxième but parisien obtenu de la tête par Jacques, et sans doute le plus joli but collectif de la saison. Et pour la troisième journée au Stadium de Toulouse, c'est en contre que le PSG s'impose. Après avoir concédé un but sur pénalty, les Parisiens obtiennent leur premier succès à l'extérieur grâce à Rocheteau, Jacques et Susic. Et pour la première fois de leur histoire, les joueurs du PSG sont en tête du classement de la première division. Quatrième journée est déjà un choc au sommet. Devant 44 851 spectateurs payants, le PSG, leader du championnat, reçoit les Girondins de Bordeaux, champions de France ces deux dernières saisons. Le match entre deux belles équipes est très serré.
Mais en ce début de saison, la foi est parisienne. Centre de Pierre Vermeulen, 7 de Jean-Marc Pilorget et victoire du PSG 1-0. Tout un symbole, ce but de Pilorget, 28 ans, au club depuis 12 ans et qui revient au sommet 18 mois après un tragique accident d'automobile qui aurait pu lui coûter la vie. En plein mois de juillet, on vient d'assister à une passation de pouvoir, mais on ne le sait pas encore. Moi, j'ai connu que ce club. Pour moi, c'est un club merveilleux. Et ça sera peut-être le seul club de ma carrière de footballeur. Jamais facile de s'imposer à Laval. Surtout quand les Mayennais ont marqué d'entrée, ce qui a été le cas. Mais en 4 minutes, les Parisiens renversent la vapeur. Par Fernandez d'abord de la tête et par Safet Suzik ensuite. À 13 minutes de la fin, De la Montagne donne à Laval un bon match nul. Car quelques minutes plus tard, le poteau droit sauve Joël Bat sur ce qui aurait été la balle de match de Stéphanie. Encore beaucoup de monde au Parc des Princes le 9 août pour la venue de l'Olympique de Marseille. Tout se joue en première mi-temps, le PSG marquant 2 buts par Luis Fernandez dès le coup d'envoi et par Robert Jacques 20 minutes plus tard. Ah, le match aller à Auxerre. Un très bon souvenir et un souvenir difficile à la fois. C'était au cours de la saison la première manifestation des hooligans. Nous avons été saisis par la nouvelle. Nous avons même eu peur et je crois que ça a entraîné chez nous un esprit de corps encore plus remarquable. Contre l'équipe d'Auxerre, je me souviens d'avoir beaucoup souffert sur le banc de touche. Je crois que l'équipe a résisté bec et ongles à toutes les attaques d'Auxerre. Retour en terre auxerroise après son transfert. Déjà quand on rencontre Paris, provinciaux, ils sont toujours très motivés. En plus quand on est premier, c'est une double motivation. Donc on a eu aussi des difficultés à cause de ça. C'est différent le Paris Saint-Germain du Football Club de Nantes? Oui, je crois que... Il y a une ambiance qui est différente, un état d'esprit différent et puis je crois tout ce qui tourne autour du club aussi est totalement différent du FC Nantes. Je crois, bon d'abord il y a tous les médias et ça c'est important pour un joueur d'avoir tous les médias derrière lui. Bon, ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais je crois que c'est important. Et puis bon, c'est plus professionnel qu'en province, ça il n'y a aucune différence. Brest est venu au Parc des Princes pour faire un résultat. Pour les Bretons, il faut résister à tout prix. On joue les arrêts de jeu de la première mi-temps lorsque Philippe Janol transforme magistralement un coup franc accordé pour une faute de Zambelli sur Dominique Rocheteau à l'entrée de la surface de réparation. En deuxième période, encore une passe décisive de Suzik et Dominique Rocheteau double la mise, PSG bat Brest 2-0. On ne peut pas avoir une équipe et bien jouer sur le terrain s'il n'y a pas un état d'esprit, une solidarité en dehors. Et je pense que là tout ces... Gérard Rouillet a su nous parler comme il fallait et puis amener cette solidarité qu'on a retrouvée sur le terrain. Cette solidarité dont parle Philippe Janol, on va la retrouver au Stade du Ray à Nice, où le Paris Saint-Germain préserve l'essentiel en obtenant le match nul 0-0 face à l'OGC Nice,
Un but de Pierre Vermeulen étant même refusé par l'arbitre M. Ben Ali pour hors-jeu de position de Luis Fernandez, le capitaine parisien. Journée 3 septembre 1985. Nancy réussit rarement au Paris Saint-Germain et cela Philippe Janol, ancien joueur de l'équipe Lorraine, le sait mieux que personne. Il faut attendre la 33e minute pour que Robert Jacques, un autre ancien joueur nancéen, marque le premier but. Comme à Nice, la semaine précédente, l'ailier néerlandais Pierre Vermeulen se voit refuser un but qui semblait valable. Et il faut attendre la 86e minute pour que le PSG se mette définitivement à l'abri. Faute sur Suzic, pénalty de Rocheteau, PSG Banancy, 2-0. Sur une bonne, très bonne équipe, de très bons joueurs, mais il y avait surtout un très bon groupe. Je crois que l'ambiance, c'est l'ambiance dans une équipe, c'est le plus important à mon avis. Enfin, sur ce que j'ai connu pendant 10 ans justement, je crois que l'état d'esprit, c'est ce qui compte le plus. Même s'il y a de très bons joueurs, on peut faire une équipe avec de très grands joueurs. On fait une équipe avant tout, c'est des joueurs qui s'entendent bien, et sur le terrain et dans la vie. Encore un déplacement délicat pour le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 11e journée face à l'équipe du Havre qui revient en première division après une longue absence. Faisant preuve de beaucoup de maîtrise, les Parisiens ouvrent le score à la 22e minute par Fabrice Poulain qui a le chic pour marquer des buts décisifs dans des conditions difficiles. Sont sévères. La domination parisienne en ce début de match est constante et l'arbitre M. Lambert a bien des problèmes avec les défenseurs du Havre. Après le premier but, sur ce corner, un centre de Michel Bibard est détourné par le capitaine havrais Llorens, qui trompe son propre gardien de but, Casanova, et le Paris Saint-Germain mène à l'extérieur par 2-0. Au milieu de l'attaque havraise, Grimaud se multiplient et dès la reprise, Jacquet, lobe, batte 2-1. La deuxième mi-temps sera très pénible pour les leaders du championnat qui frôlent la correctionnelle à plusieurs reprises. Mais en cette saison 85-86, la solidarité est vraiment une vertu parisienne. Après avoir passé 3 années au Racing Club de Lens, j'imaginais bien que le déplacement de l'équipe parisienne en terre artésienne serait très difficile. Et pourtant, avant le match, je me souviens d'avoir éprouvé une grande fierté
de venir avec une équipe en tête du championnat et qui plus est invaincue. Je me souviens d'un match très curieux. 5 buts ont été inscrits, 5 buts sur coup de pied arrêté. J'étais également très fier à l'issue du match parce que l'équipe, en dépit du fait qu'elle était menée 2-0, elle réussit à s'imposer 3-2, manifestant là tout son talent, tout son courage et surtout tout son caractère. Je rêvais toujours de jouer dans une grande équipe. 27 septembre 1985, 13e journée, premier tiers du championnat. Le Paris Saint-Germain accueille Sochaux, une équipe bien tendre pour résister sur leur pelouse au leader du championnat toujours invaincu. Et dès la 21e minute, le capitaine parisien Luis Fernandez donne l'exemple et marque du pied gauche. 60 secondes plus tard, Crochy se prend pour un gardien de but, seulement c'est un défenseur. Alors, pénalty transformé par Dominique Rocheteau. Nouveau but de Dominique Rocheteau peu avant la demi-heure de jeu et à la mi-temps, le PSG mène 3-0. Dès la reprise, exploit de Pierre Vermeulen sur l'aile gauche, l'ailier néerlandais dépose le ballon sur la tête de Suzy, 4-0. 60e minute, M. Delmer accorde un pénalty à Sochaux. Pénalty pas tellement évident que transforme Thierry Fernier. Et dans les dernières minutes, M. Delmer accordera un nouveau pénalty, cette fois-ci aux Parisiens. Pénalty qui sera raté par Dominique Rocheteau, mais après 13 journées, le Paris Saint-Germain compte 6 points d'avance sur Nantes et Bordeaux. Le Stade Rennais qui reçoit le Paris Saint-Germain espère bien être la première équipe française à battre le leader et cela d'autant plus que dès la 5e minute sur un coup franc de Lantier prolongé par Christophe, Guy Lacombe marque de la tête. Mais dès la reprise, la physionomie de la rencontre change. En 180 secondes et sur 2 corners et 2 coups de tête, le PSG prend l'avantage par Janol d'abord. Par Luis Fernandez ensuite. À 10 minutes de la fin, Dominique Rocheteau réussit un joli 3e but. À 83e minute, Patrice Rio transforme un pénalty, mais le PSG victorieux 3-2 poursuit sa marche en avant. Regardez-le au milieu de ses joueurs, il te répondra toujours motivation morale. Le but est recherché, fixé, quand il est atteint, il s'endort d'une oreille, se réveille en solitaire au petit matin. Devant un autre destin, une lune en croissant dans son déjeuner, réflexion du matin. L'entraîneur, son rôle, c'est surtout de très vite cerner un petit peu les qualités de ses joueurs, de réaliser une sorte d'addition un petit peu d'efforts pour faire en sorte que le meilleur rendement possible soit donné pour le club, mais aussi pour leur expression personnelle. C'est-à-dire qu'il faut que chaque joueur individuellement trouve son compte et que collectivement, on soit efficace. Et pour cela, il faut déterminer les options un petit peu stratégiques de l'équipe et déterminer quels sont les meilleurs systèmes de jeu qui peuvent y convenir, etc. Et le rôle de l'entraîneur à partir de ce moment-là, c'est catalyser un peu leur expression, la favoriser dans un climat de confiance, de travail et dans une sorte de mentalité de progression permanente. Sommet de la saison au Parc des Princes en ce 11 octobre 1985 où 45 138 spectateurs remplissent le stade pour voir le Paris Saint-Germain face à Nantes, l'un de ses dauphins.
Et pour la première fois, après 2 minutes de jeu, le PSG chez lui est mené au score sur une superbe action, Loïc Hamis, Vincent Brasigliano. Sur la pelouse, les internationaux sont nombreux. Comme d'habitude, Luis Fernandez est au four et au moulin, et il faut une faute de Maurice pour stopper le capitaine parisien. Monsieur Vautreau n'hésite pas, coup franc pour le Paris Saint-Germain à la limite des 16 mètres. Safet Suzy cherche Janol, le trouve, un but partout, on joue depuis 25 minutes. D'un côté, comme de l'autre, les actions offensives sont de grande qualité. Et sur ce coup franc, en première mi-temps, Joël Bach va probablement sauver son équipe. Car en deuxième période, Fernandez, Rocheteau, Fernandez, 50e minute, deuxième but parisien. Il n'y en aura pas d'autre. Score nécessaire et suffisant. Le Paris Saint-Germain a écarté l'un de ses plus sérieux rivaux en battant le Football Club de Nantes par 2-1 à l'issue d'un match de toute beauté. Luis Fernandez aujourd'hui, le joueur qu'il est, je crois qu'il ne le doit pas à lui, il le doit tout ce qu'il avait son environnement à côté de lui, c'est-à-dire les joueurs qui sont passés, pas seulement ceux de cette année, je crois que ceux qui étaient là par le passé aussi, on doit leur rendre hommage, car ils ont contribué à faire avancer ce club. Le président Francis Borrelli, le vice-président Charles Tallard et Gérard Houillet, et je crois que et les supporters aussi, parce que je crois que les supporters m'ont beaucoup aidé et ont contribué également à mon épanouissement. Je crois que aussi, je leur tire un coup de chapeau. En effet, Luis Fernandez a raison. Le PSG est un club qui vit. Non seulement grâce à ses supporters, mais encore grâce à ses boutiques, grâce à tous ceux qui font le club. Les vendeuses, les secrétaires, les dirigeants, les bénévoles, les structures permanentes du club, qu'elles soient administratives, de communication ou commerciales. À Toulon, il importe de ne pas rester en rade. 62e minute, centre de Hémon, tête de Victor Ramos, Toulon mène 1-0. 14 minutes plus tard, tir de Suzic dévié par une motte d'herbe hors de portée d'Olmeta. 1-1, le record du PSG tient toujours. PSG Strasbourg, c'est le match des extrêmes. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui caracole en tête, de l'autre, le Racing Club de Strasbourg qui lutte pour ne pas descendre. Des Alsaciens recroquevillés sur leur but, faisant preuve d'une énergie farouche, un PSG qui domine, mais ne trouve pas la faille. Jusqu'à la 61e minute, où Dominique Rocheteau ouvre le score.
Très courageusement, les Alsaciens font tout ce qu'ils peuvent pour égaliser. Et c'est en deuxième mi-temps qu'ils vont y parvenir à la 67e minute sur un très joli tir de François Brisson, un ancien Parisien. Journée, 2 novembre 1985, le Paris Saint-Germain, toujours invaincu, se rend au stade Louis II à Monaco. Un match avec deux parties bien distinctes, Gérard Rouillet. Oui, j'ai le souvenir d'un match avec deux mi-temps totalement différentes. Une première mi-temps au cours de laquelle nous avons pu développer notre jeu, nous avons pu jouer. Nous avons même marqué un but à l'issue d'une combinaison entre Safet Suzic, Luis Fernandez et Omar Da Fonseca. Et puis, en deuxième mi-temps, alors que nous pensions continuer sur le même rythme, eh bien nous avons souffert énormément, j'ose dire, devant toute la furia des Monégasques qui tentaient d'égaliser. Une équipe monégasque, rappelons-le, dans laquelle évoluent de grands talents, Amoros, Bellone, Fofana, Gengini, Anziani, on ne peut pas tous les nommer, et une équipe monégasque qui petit à petit va prendre le dessus sur une équipe du PSG qui va prouver au fil des minutes qu'elle a des ressources. Au cours de ce match, je me souviens avoir même vu Safet Suzic dans la surface de réparation pour dégager un ballon. C'est dire à quel point nous avions besoin de tous nos hommes dans la surface pour résister un petit peu aux assauts de nos adversaires. Les minutes passent et le Paris Saint-Germain mène toujours par ce petit but marqué par Omar Da Fonseca après 27 minutes de jeu. Par tous les moyens, on tentait de résister et de maintenir notre avantage. Je crois même que si nous avions pu faire rentrer le 12e homme et la valise à pharmacie pour défendre avec nous, nous l'aurions fait. C'est également ce jour-là, Gérard Rouillet, qu'on s'est aperçu que Joël Bat était décidément bien le meilleur gardien de but de France. Ce soir-là, Joël Bat a accompli une partie tout à fait remarquable. En bien des circonstances, en bien des moments périlleux, il nous a sauvé la mise. Il restait quelques minutes à jouer et on ne voyait pas toujours comment les Monégasques allaient trouver la faille. Soit leur tir était arrêté par Joël Bat, soit ils passaient juste à côté. Et puis, comme il y a finalement une logique en football, à 10 minutes de la fin, un tir de Marcel Dib était détourné par Franck Tanasi dans son propre but, 1 à 1, match nul, logique. Et voilà donc le Paris Saint-Germain dans le livre des records. En tout cas, il y sera la saison prochaine. Avec ses 18 matchs sans défaite, ses 31 points en 18 journées, record de Saint-Étienne égalé. Pour la dernière rencontre des matchs allés, le Paris Saint-Germain accueille Metz au Parc des Princes et Suzic marque dès la 16e minute, Gérard Rouillet. L'équipe de Metz donne toujours du fil à retordre à notre équipe et au cours de ce match, après un bon début, on pensait bien d'ailleurs terminer la série des matchs allés invaincus, nous avons énormément souffert. Sous les coups de boutoir de Misic, de Six et de Bokandé qui égalise, Bokandé qui sera le meilleur réalisateur de la saison. Peu de temps après ce but se situe le tournant du match, Gérard. Oui, après quelques coups de boutoir de Jules Bokandé, lors d'une attaque rapide des Messins, eh bien, Joël Bat a été pris en défaut. Et je crois que c'est Jean-Marc Pilorgé qui l'a suppléé sur la ligne, ce qui a occasionné un pénalty indiscutable. Que Six tire au-dessus. Sûrement un tournant du match et également un tournant de notre série de matchs invaincus. Parce qu'à ce moment-là, Metz aurait mené 2-1 sur notre terrain.
Et c'est au contraire le PSG qui va s'imposer 2-1 sur un nouvel exploit, Rocheteau Suzy. Regardez-le à la concentration. Lui, il n'a pas de lunettes noires, il ne joue pas la star. Il lui tape sur l'épaule, les micros, les télés, les journaux ne le font pas trembler. Les vestiaires à la touche, il respire lentement et mâche un peu ses mots. De peur de paraître indifférent, malgré cette carapace un peu frêle, à la force d'un géant. Pour Gérard Houllier, tout va bien. Dominique Rocheteau a ouvert le score à la 17e minute et à la 32e sur un centre de Vermeulaine. Jean-François Charbonnier détourne le ballon dans le but toulousain. Enfin, à la 66e minute, Luis Fernandez, du bout du pied, marque le troisième but et le PSG bat Toulouse 3-0. Champions en titre veulent leur revanche sur ceux qui apparaissent de plus en plus comme devant être leurs successeurs. Mais c'est un match nul, 0-0, qui ponctue les débats. Un match nul beaucoup trop dur. Le thérapeute suit l'équipe avant le match, pendant le match. Et après le match. Alors avant, c'est pour donc toute la préparation du footballeur. Pendant le match, c'est lui qui intervient sur le terrain avec le médecin. Donc il a un pouvoir de décision assez important. Et après le match, c'est toute la récupération pour préparer le match suivant. Donc il y a un mélange déjà préparation et récupération. Et en plus, il y a toutes les rééducations des blessures, c'est-à-dire soit les entorses, les fractures, les claquages, les élongations, plus les opérations, notamment les opérations de ménisque ou ligaments croisés. Donc ça prend énormément de temps. Décembre, 23e journée, la trêve approche et le PSG qui reçoit Laval tient toujours. 14e minute, coup franc de Janol, balle sur le poteau, Dominique Rocheteau qui a suivi, ouvre le score. Mais les Mayennais ne se découragent pas et une superbe reprise de volée de Stefanini est détournée par Sen dans son propre but. Joël Batz est battu. Un but partout à la surprise générale. 43e minute, nouveau but de Janol Rocheteau, le frère jumeau du premier, et à la mi-temps, le PSG mène par 2-1. Coup du chapeau pour Dominique Rocheteau avec ce pénalty. Et ce n'est pas fini pour les Parisiens qui en font voir de toutes les couleurs à l'équipe de Laval. C'est au tour de Sen de marquer le quatrième but, alors que le cinquième sera peut-être le plus beau de la soirée. Sur un coup franc, une combinaison Rocheteau, Suzic, Janol, et c'est le but du 5-1 signé par le libéro parisien. Près de 40 000 spectateurs au stade Vélodrome de Marseille pour la venue du leader, les supporters marseillais espérant secrètement que l'OM sera la première équipe française à faire toucher les épaules au leader, invaincu depuis maintenant 24 rencontres.
Il n'en sera rien, les deux équipes se séparant sur un match nul 0-0, les Parisiens à Marseille ayant fait preuve de beaucoup de réalisme. Je pense que chaque fois qu'on fait une action, même si on met un coup assez méchant, je pense qu'on ne le fait pas intentionnellement, on le fait simplement pour défendre son pain, quoi, disons. Alors, je pense que oui, je me suis blessé à Marseille et je pense que je l'ai fait tout seul. Et bon, je pense que ça arrivera d'autres fois et à d'autres joueurs, bon, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais enfin, les blessures font partie du football. PSG Auxerre, dernière rencontre avant la trêve et tout se joue après le repos. 47e minute, Janol ouvre le score sur coup franc. 66e minute, nouvelle attaque des Parisiens et menacée par Pierre Vermeulen, le jeune Gomez marque contre son camp. 72e minute, centre de Suzic et but de Rocheteau. Et 86e minute, volée de Thierry Baconnier. 4-0, le PSG arrive à la trêve invaincu et avec 6 points d'avance et un match en moins. Au départ, bon, en plus avec les recrues qu'ils avaient fait, Lovitz, Bubar, pour moi, c'était une saison en troisième division. Puis, comme on dit, les malheurs des uns faisant le bonheur des autres. J'ai eu la chance, disons, que Claude Lovitz se blesse gravement. Et j'ai pu rentrer dans l'équipe. Et puis voilà, et j'ai pu participer à l'espoir de l'équipe cette saison. Quoi. Pour le début de la deuxième moitié de la saison, c'est un déplacement délicat qui est proposé aux Parisiens qui doivent rendre visite à Brest, à l'association sportive brestoise. 15e minute, attaque des Bretons, reprise de volée de Bouquet, effleurée par Fernandez qui trompe Bat, 1-0 pour l'équipe locale. Gérard Houllier, qui craignait énormément cette reprise après une coupure de 3 semaines due à la trêve, voit son équipe lutter avec cœur, mais sans parvenir à réaliser ce qu'elle faisait quelques semaines auparavant. Il s'en faut de fort peu que les Bretons ne réussissent un deuxième but. Finalement, à force de travail et d'abnégation, les Parisiens vont obtenir ce qu'ils étaient venus chercher, un résultat nul, sur un corner tiré à 13 minutes de la fin par Vermeulen et repris de la tête par Luis Fernandez. Septième journée, 18 janvier. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit Nice. Alors que Meij a ouvert le score pour l'Olympique Gymnaste Club de Nice, les Parisiens, à l'image de Janol, font tout pour égaliser. Mais il faut une faute de André Amitrano, le gardien niçois sur Pilorget, pour permettre à Dominique Rocheteau, sur pénalty, juste avant la mi-temps, de mettre les deux équipes à égalité, un but partout. En deuxième période, les Parisiens vont se détacher. Pour cette faute sur Dominique Rocheteau, Suzic obtient un coup franc. Il trouve la tête de Charbonnier, 2-1. À 9 minutes de la fin, dans une semi-pénombre, à la suite d'une panne d'électricité, Safet Suzic va marquer un but d'artiste, 3-1. Et à 60 secondes de la fin, dans la lumière revenue, Lefebvre pour Nice ramène la marque à 3-2. En matière de football, on n'est jamais certain de connaître, jamais convaincu de savoir, et assurément pas de prouver. Toutes les meilleures choses ont une fin,
et notre remarquable série devait s'arrêter à Lille. C'était un match dont on ne voulait pas. Ce fut un match que nous sommes allés jouer en traînant les pieds. Nous avons été battus 2-0, deux buts concédés en fin de match, après que Philippe Janol eût été obligé de nous quitter sur blessure. Dix jours après la première défaite de la saison du PSG à Lille, les Parisiens affrontent Nancy au stade Marcel Picot, un stade qui ne leur a été que rarement favorable dans le passé et sur une pelouse enneigée. C'est le début de la période difficile du PSG qui concède un but au Yougoslave de Nancy, Fejić, après 32 minutes de jeu et qui ne pourra jamais revenir au score. En deuxième période, l'équipe nancéenne bénéficiera d'un pénalty tiré par Harry Barr et stoppé en deux temps par l'excellent Joël Bass. Si on analyse un petit peu la saison, on s'aperçoit qu'il y a eu, disons, jusqu'à la trêve, un parcours éblouissant, et puis après la trêve, un parcours peut-être avec beaucoup moins de panache. Mais néanmoins, au niveau des chiffres, et ça j'étais heureux de le constater, c'est qu'aussi bien, si on divise le championnat en trois tranches de 10 matchs, on s'aperçoit qu'on était premier au bout des 10e matchs, on était encore premier dans la deuxième tranche de 10 matchs, et encore premier dans la troisième tranche de 10 matchs. Et qu'en fait, c'est donc peut-être plus vers la vraiment toute fin de saison qu'on a éprouvé un petit peu de difficultés. Alors pourquoi avoir, disons, donné l'impression dans la première partie d'être très très bon et de prendre tous les points, et qu'après, dans la deuxième partie, on était peut-être moins bon, mais ce qui était très positif, c'est qu'on prenait quand même les points. Et je suis sûr que c'est dû grâce à la combativité, et à l'ardeur et à la solidarité générale du groupe. Parce que pour être champion, il faut avoir ses qualités de base, en plus du talent qui est bien connu chez la plupart des joueurs, preuve en est chaque match. Bougez-le un peu, là ! Oui ! Voilà, ça va ! Go ! Ouais, bien joué. Ouais. Prépare-toi. Allez, hop. Oh putain. D'ailleurs, je mets des ballons pourris, c'est ça. Je mets des ballons pourris, les gars. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça, les mecs en match. Il fait très froid au Parc des Princes le 8 février 1986, jour de la 29e journée du championnat. Par une température quasi sibérienne, le Paris Saint-Germain accueille Le Havre. Et tous les joueurs parisiens, sans exception, évoluent en collant. Les deux défaites concédées à Lille puis à Nancy ont fait naître un léger doute dans le camp parisien, ce qui n'empêche pas Luis Fernandez et les siens de dominer, non sans s'exposer quelquefois au contre des joueurs havrais. Il faut attendre la 85e minute pour que Omar Sen, d'un tir de 15 mètres, donne un succès étriqué mais nécessaire aux Parisiens. Que toujours de marquer des buts, c'est très très important pour le joueur, pour le moral aussi. Et au moment où j'ai commencé à marquer ces buts-là, l'équipe était en train de douter. Et ces buts sont venus au bon moment, au moment où j'étais dans une période de doute, en essayant de calculer ma saison parce que je disais que j'avais raté la saison. Et ces buts-là m'ont remis la confiance. 15 jours plus tard, il fait toujours aussi froid. Pour le record des 26 matchs sans défaite, le PSG a reçu une belle coupe. La pelouse du parc, quant à elle, ressemble à du béton.
Les Lensois sont les plus vite en action, Vercruz pour Venancio Ramos et 1-0 pour Lens. On joue depuis moins de 60 secondes. Dès lors, les Parisiens sont obligés d'attaquer, ce qui est toujours délicat sur une pelouse gelée. Sur un tel terrain, les défenseurs sont obligés de commettre des fautes. Et sur un croque-en-jambe de deux planches sur Suzic, M. Ben Ali désigne le point de pénalty. Pénalty qui sera transformé par Rocheteau à la 38e minute. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. En deuxième mi-temps, à deux reprises, Joël Batz sauve son équipe. Et sur une faute de Janol sur Gillot, c'est un nouveau pénalty, cette fois transformé pour Lens par Venancio Ramos, les Nordistes qui mènent à nouveau au score 2-1. 7 minutes plus tard, nouveau pénalty sifflé par M. Ben Ali pour une faute pas très évidente. Rocheteau ne fait pas de sentiment et le transforme. Le Racing Club de Lens et PSG font match nul, 2-2. Je masse, je suis le masseur de l'équipe. Je travaille évidemment très étroitement avec le corps médical et avec mon entraîneur. Nous sommes tous des baromètres psychologiques de l'équipe. Mais c'est vrai que dans le massage, on donne énormément de soi. Par conséquent, on est réceptif à tout ce qui peut se passer, et notamment au plan psychologique. Et dans ce sens, effectivement, on perçoit assez bien les différents états d'âme des joueurs, et le fait de les écouter, c'est déjà, si vous voulez, une possibilité pour eux de se ressaisir et d'aller de l'avant. On a tous besoin d'être écoutés dans la vie, hein. Paris Saint-Germain contre Rennes, le 7 mars au Parc des Princes. Un seul but sur pénalty dès la 4e minute pour une faute de main de Marais. Dominique Rocheteau transforme. Il n'en faut pas plus au Paris Saint-Germain qui bat Rennes par 1-0. Trente-troisième journée à la Beaujoire, Nantes-Paris-Saint-Germain. Coup franc de Safet Suzic sur le poteau. La chance des Parisiens est passée. Ensuite, deux coups de génie de Vahid Halilhodžić. D'abord le métier devant Tanasi. Et puis la vitesse et la vista pour Bourouchaga. 2-0, Nantes a pris sa revanche sur le PSG. Cette année, c'était un peu celle de Nantes. C'était pas du tout comme les années précédentes. À en entendre parler, l'année dernière, le climat était pas très sain, mais cette année, tout de suite, dès le départ, on a senti un groupe, et puis les résultats sont venus et on a continué. La fin de saison a été un peu dure, mais la première partie était vraiment excellente. Plus l'échéance approche, plus les points deviennent difficiles à obtenir. Ainsi contre Toulon. Une équipe toulonnaise venue au Parc des Princes pour limiter les dégâts et surtout pour ne pas prendre un carton. Et qui, au fil des minutes, s'enhardit. Mi-temps, 0-0. Le doute dans les tribunes, le doute sur le terrain. Les minutes passent et la défense toulonnaise et Olmeta tiennent toujours.
On en arrive ainsi à la 62e minute. Jacques sort, Sen rentre. Corner de Suzic et but acrobatique de Omar Sen. Heureusement qu'il a eu la bonne idée de rentrer, celui-là. Et combien de buts importants il a marqué en fin de saison. Strasbourg, 19e et bon avant-dernier, presque déjà en deuxième division, reçoit le leader et marque le seul but du match par Jenner, un tir dévié au passage par Luis Fernandez. Un but qui vaut cher car à 4 journées de la fin, Nantes revient à 3 points d'un Paris Saint-Germain qui doute de plus en plus. Demain matin, dans son bureau du camp, il sera aux premières loges pour les voir arriver, pas pour les épier. À la façon dont ses joueurs marcheront et lui diront bonjour, il saura que c'est bon de rien dire. C'est le plus grand remède à laisser l'exigence se faire par elle-même. Regardez le crier, jouer et donner des conseils, il est comme ton frère, mais surtout pas leur père. Ils ne sont pas des machines, tant de progrès reste à faire. Si je peux vous aider, je vous donnerai tout. Je suis un généreux, mais pas jaloux de vous. Je vous laisse vos étoiles, elles vous sont méritées. Je vais relancer tout à l'heure le dé que j'ai dans ma poche. C'est le dé de ma chance. Je sais qu'il a 6 faces. Et sur chacune d'elles, il y aura un as. Deux coups de tête ont fait l'histoire de Sochaux PSG disputé au Stade Bonal le 8 avril. D'abord Sen, juste avant la mi-temps sur un centre de Michel Bibard. Ensuite, Stéphane Paille sur un coup franc de Fernier en sautant plus haut que tout le monde. Un point néanmoins très important pour le Paris Saint-Germain. Journée de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain, qui se rapproche de plus en plus du titre, accueille l'Association sportive de Monaco. Un match difficile contre une équipe qui réussit toujours bien au Parc des Princes. Il y a encore là près de 30 000 spectateurs dans les tribunes et parmi ceux-ci, Jean-Claude Lemou, le grand absent parisien de la saison, blessé et opéré. Est-ce qu'à ce moment-là, avant ce match contre Monaco, Gérard Houllier, vous commenciez à douter de votre équipe? Douter n'est pas véritablement le mot, mais lorsqu'on est prêt de toucher au but, on a toujours un petit peu peur de perdre l'acquis, on a toujours un petit peu peur de ne pas y arriver. De plus, Monaco, qui avait donné tant de mal au Paris Saint-Germain lors du match aller, Monaco prouve encore une fois à Paris que c'est une belle équipe et qu'elle méritait mieux que le classement qui a été le sien la saison dernière. C'est le souvenir d'un match extrêmement serré, extrêmement difficile, avec une atmosphère de drame, autant dans les tribunes que sur le terrain, pour l'enjeu que l'on connaît. Finalement, peu d'occasions. Plutôt, Gérard, les défenses qui prennent le pas sur les attaques. Oui, et on était très proche de la fin du match. On pensait même s'acheminer vers un match nul lorsqu'il y a eu ce corner mémorable, ce corner fabuleux dont on se souviendra toujours. Un match serré entre deux équipes qui se tenaient de très près et qui va basculer sur un coup de pied arrêté à quelques secondes de la fin de la partie, alors que tout le monde croyait déjà au match nul.
89e minute, Da Fonseca rate, mais Sen réussit. Votre première réaction, Gérard? Une immense joie m'a envahi et je me souviens que Luis Fernandez s'est jeté sur moi et m'a presque cassé le nez. C'était pour tous les joueurs, c'était pour les dirigeants, c'était pour l'entraîneur que j'étais, l'aboutissement final d'une année d'effort et pour la ville de Paris de 50 ans d'attente. Mathieu Batigny, j'ai 12 ans, je suis en pupille 1A du PSG, je suis contente parce que les premières, ils sont champions de France et on va essayer d'en faire autant avec mon équipe. C'est un bon pour l'instant, ça part bien parce qu'on est deuxième, on va essayer quoi. Le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir deux municipalités qui s'intéressent à son cas, Paris et Saint-Germain-en-Laye, et donc deux maires qui veillent sur lui, M. Jacques Chirac et M. Michel Péricard. Heureux président Borrelli. Un président qui cependant n'a pas dû apprécier cette année les déplacements dans l'Est de la France. Déjà battu à Nancy, puis à Strasbourg, le Paris Saint-Germain doit baisser pavillon une nouvelle fois à Saint-Symphorien face à la redoutable équipe du Football Club de Metz. Mitich ouvre la marque juste avant la mi-temps et Bocandé, à la 68e minute, trompe Luis Fernandez qui a remplacé Joël Bat blessé dans les buts Paris. 10 minutes plus tard, pour une faute de Janol sur Mitich, pénalty de Jules Bocandé et 3-0 pour le Football Club de Metz. À 3 minutes de la fin, Alain Couriol, qui effectuait sa rentrée après près de 18 mois d'absence, sauvera l'honneur des Parisiens, gentil Alain, qui n'oubliera pas ce 18 avril. À se rester si longtemps sans jouer et de revenir au plus haut niveau comme ça, comme c'était mon cas, bien que c'était un match qui n'avait pas une grande importance, ça m'a fait énormément plaisir, d'autant plus que j'ai marqué un but et que tout le monde était content pour moi. Et moi, j'ai vécu quand même l'aventure, puisque j'étais de tous les déplacements et tous les matchs à domicile, et j'ai eu le privilège de les vivre sur le banc de touche. Et pour moi, de faire partie et de rester dans le groupe, c'était quand même une saison très intéressante. Et ça, c'est une grande réussite pour moi. Ça m'a réconforté dans le choix que j'avais fait. Au départ, beaucoup m'ont dit que j'allais me casser la figure à Paris. Et ce soir, le résultat est là, et c'est bien. Personnellement, ça fait tellement longtemps que j'attends une chose comme celle-ci. J'ai du mal à réaliser encore parce que ça fait si longtemps. Je crois que ça va être une soirée exceptionnelle, ça va être fabuleux. Et j'ai du mal à réaliser quand même. Ah, je suis un capitaine heureux par cette belle saison qu'on vient de réaliser avec le PSG et ce titre de champion de France. Et c'est vrai que je suis vraiment le garçon le plus heureux qui est sur Terre aujourd'hui. Long.
and I can land on my feet. Look out! Dernier match d'une saison historique entre le Paris Saint-Germain, déjà champion de France, et Bastia, déjà en deuxième division. Corner de Suzy, tête de Jacques et but pour le Paris Saint-Germain, on ne joue que depuis 4 minutes. 8 minutes plus tard, nouveau centre de Suzy, nouvelle tête de Robert Jacques et 2-0 pour les nouveaux champions de France. La partie se déroule dans une atmosphère de joie. Et c'est très décontracté que les joueurs, un à un, regagnent la pelouse pour la deuxième mi-temps. De rares occasions, Joël Bat se prouve qu'il est toujours là. Cinquante-quatrième minute, centre de Servetti, Testa comme au billard, sauve l'honneur des Bastiais. 65e minute, faute sur Bibard à l'intérieur de la surface de réparation. Pénalty. Tout un symbole, le dernier but de la saison. Un pénalty tiré par le capitaine Luis Fernandez qui quitte le club sur un triomphe. Chapeau Luis, on peut déboucher les magnums. Depuis 50 ans que Paris attendait ça.
remettre cette médaille. Voilà, clic-clac. Merci Kodak. Joël Bach, Philippe Janol, maire de Paris, Michel Dubard, Bobby, l'immense Bobby. Puis Jean-Claude Lemou, et puis Robert Jacques, et puis Seine, et puis Couriol. Et c'est la traditionnelle photo de famille du club champion de France 85-86. On va essayer de conquérir tout ce qui reste à conquérir. Il y aura la manière que nous aurons de nous exprimer, la conviction nous aurons d'y arriver. Et pour y parvenir, eh bien, nous avons fait tous les efforts qu'il convenait de faire, j'imagine. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les choses se passent aussi harmonieusement, aussi agréablement que je le dis. Mais pourquoi ne pas terminer en pensant que, je vous l'ai déjà exprimé, quand on désire ardemment quelque chose, elle ne peut pas ne pas se réaliser. Et 16 pour ces numéros de la chance. C'est toujours la fête au Parc des Princes où les Parisiens effectuent un tour d'honneur. On peut y aller au Parc des Princes, je pose la question.